Salut les amis. Donc je vais faire mon petit footing. Pas plus de 1 km, bien sûr, on respecte les règles du gouvernement. Pas plus que 1 km et puis tout seul quoi, tout seul. Donc je vais commencer à courir comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire courir en fractionné, parce que j'aime pas courir toujours au même rythme. J'aime bien alterner avec tout ce qui est par exemple courir en arrière, déplacement latéral. Donc je fractionne et je casse le rythme à chaque fois comme ça. Et puis après je vais vous montrer un peu ce que je fais. Je vais essayer de filmer quelques trucs pour vous montrer ça. Allez, go! Placement latéral. Là, je viens de courir donc sur 1 km à peu près, donc c'est pas l'intensité, enfin c'est pas, pour moi c'est pas le nombre de kilomètres qu'on va courir qui va compter, mais plutôt l'intensité à laquelle vous allez courir. Donc là moi je fais quasiment que des fractionnés, donc j'alterne avec courir en arrière, déplacements latéraux, coups de genoux, talons, fesses, donc plein de mouvements qui font en fait que ça casse le rythme toujours et que je cours pas toujours au même rythme. Un peu comme quand vous boxez, c'est pas toujours au même rythme. Donc du coup, quand je cours, et ben à chaque fois je casse mon rythme du mieux que je peux. Maintenant là du coup, je vais vous montrer un petit circuit que j'aime bien faire. En fait, c'est alterner des séries de sprints et marcher. Donc comme j'ai couru et que je suis déjà un peu essoufflé, et ben en fait je vais me donner à fond sur mes sprints. Je vais faire peut-être 4-5 séries, je sais pas, en fait je vais me donner à fond. Et puis je vais en fait sprinter sur une distance et je vais alterner, je vais revenir en marchant. Et je vais repartir en sprintant à fond la caisse et revenir à chaque fois en marchant. Je vais alterner ça et je pense 4 ou 5 fois. Comme je vous dis, c'est en fonction aussi de l'intensité du sprint à laquelle vous courez. Et moi, je vais courir, mais vraiment, enfin, vraiment à fond, quoi, au bout de mes forces, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, vous voyez le poteau qui est là-bas. Donc, le poteau là-bas, du téléphone jusqu'au poteau, il doit y avoir à peu près 100 mètres. Donc, je vais sprinter à fond jusqu'à là-bas et je vais revenir en marchant jusqu'au téléphone. Et du coup, à chaque fois, je vais faire ça le plus de fois possible, peut-être, je pense, 5 fois. Et je vous dis, c'est un sprint à fond, quoi. C'est pas genre une accélération. Moi, quand je le fais, c'est vraiment un sprint à fond la caisse, quoi. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. Parti. Allez, c'est parti.
Allez, je le fais encore une fois. Après, je suis trop mort. Let's go. Bon, je vais vomir, si je continue, je vais vomir là. J'ai fait 6 séries, je vous assure, essayez vous-même. Vous allez voir, sprinter sur 100 mètres à peu près et revenir en marchant à chaque fois. Testez, vous allez voir votre potentiel au niveau du cœur. Mais quand je vous dis sprint, quand je vous dis de sprinter, c'est vraiment un sprint à fond la caisse, vous donnez à fond quoi. C'est pas genre juste une accélération, c'est vraiment vous donner tout ce que vous avez sur vraiment 100 mètres. Et franchement, c'est super dur. Donc là, je marche un peu juste pour récupérer. Et puis je vais repartir 1 km en arrière. Et là, je vais courir tranquillement. Je vais pas fractionner comme j'ai fait au début. Parce que mon cœur, il a bien travaillé là. Et donc du coup, je repars tranquillement. Ok, allez, let's go. Voilà, donc c'est fait, je suis retourné en arrière, sur 1 km en arrière, et je me garde toujours une distance de 200 mètres ou 100 mètres à peu près pour marcher, pour récupérer donc après la course quoi. Donc ça fait du bien aux jambes de redescendre doucement. Donc là je vais continuer avec une séance d'abdos, et puis je vais finir avec des étirements. Allez, c'est parti.
l'entraînement d'aujourd'hui est fini, donc j'ai fait de la course, du cardio, abdos et étirements. J'espère que cette vidéo elle vous aura motivé à continuer à faire du sport pendant pendant le confinement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air et à partager. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.